26e instruction. Tout catholique doit être saint. Texte d'Écriture sainte. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute la conduite de votre vie. Première épître de saint Pierre, chapitre 1, verset 15. Plan de l'instruction. En trois points, après une remarque préliminaire. Premier point, les obstacles, en trois sous-titres, la nature humaine, les sophismes de l'intelligence, les attractions d'imagination. Deuxième point, les moyens d'être saint. Idéal sublime, la sainteté de Dieu. Savoir situer le travail de la sainteté. Être saint dans tous les détails de la vie. Et les avantages d'être saint pour soi, pour le prochain, pour Dieu. Remarque. Nous avons suivi le divin dans la Trinité, dans le Verbe incarné, dans sa sainte humanité, dans l'Église, et enfin nous voulons le voir agir dans les individus. C'est la partie la plus personnelle, la plus pratique pour chacun de nous. C'est le but que Dieu se proposait dans toutes ses œuvres grandioses qu'il a faites pour nous avoir avec lui, dans ce monde par la foi et sa grâce, et ensuite dans la gloire du ciel. Les apôtres ont reçu la science infuse du plan divin dans ses détails avec les moyens pour le vivre. Cette idée fait le fond de leur prédication. Ils veulent que tous les fidèles se préparent à voir Dieu face à face dans la vision béatifique. Mais ils insistent que pour cela, il faut devenir semblable à Dieu dans une sainteté parfaite comme celle de Dieu même. Jésus dit carrément à tout le monde, sans exception, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Évidemment, nous ne pouvons pas atteindre le même degré, mais nous devons avoir le même genre de sainteté et vouloir toute la sainteté de Dieu. Comme il est le souverain bien et notre fin dernière, nous ne devons pas mettre de limite à notre vouloir par rapport à Dieu. Les Écritures inspirées ne cessent de nous recommander de chercher la sainteté constamment et ardemment. Comment se fait-il que si peu de chrétiens veulent sincèrement devenir des saints dans toute la force du mot? Commençons par examiner les causes de cette paresse spirituelle, afin de les enlever, si possible, avec la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de les connaître spéculativement pour en parler seulement, mais pour les faire disparaître en chacun de nous, les causes. Les prêtres, surtout, doivent prendre tout ce que nous dirons ici, mais cela ne veut pas dire que les laïcs en ont moins besoin. Tous, sans exception, sont tenus de devenir des saints comme le bon Dieu est saint. En conséquent, tous, sans exception, doivent prendre pour eux-mêmes tout ce que nous disons dans cette instruction adressée à tout le monde, sans exception. Premier point, les obstacles. Ils sont très nombreux, évidemment, mais nous allons nous arrêter aux principaux et aux plus généraux pour le temps que nous avons à notre disposition pour cette instruction. Chacun pourra continuer ce travail dans ses méditations quotidiennes. Premier obstacle, la nature humaine. Nous avons été créés par nature pour l'usage des créatures de ce monde. Et pour y trouver notre bonheur terrestre, tout en nous, nous pousse vers les plaisirs des choses créées. Ce n'est pas étonnant que nous soyons tout aux choses de la terre. Or, pour acquérir la sainteté de Dieu, il nous faut faire tout le contraire de ces tendances naturelles que nous avons en nous. Et il nous faut réagir contre notre amour naturel pour les créatures. Et cela, constamment, pour mettre tout notre amour uniquement en Dieu et dans les choses de Dieu. Il faut aller contre tout ce qui a fait sa vie dans le passé et tout ce qui fait son bonheur dans le présent. C'est une lutte qui dépasse les forces humaines. Personne ne peut faire cette guerre contre lui-même,
sans la grâce de Dieu, la très grande majorité n'ont pas même l'idée de se vaincre. Et donc encore moins de prier pour se vaincre. Et alors, la plupart restent dans la vie naturelle où ils sont nés. Quand on leur parle de sainteté, ils admettent bien qu'elle est enviable, mais ils n'ont pas la force de secouer le joug de la chair humaine avec ses tendances animales. Et comme dans ce monde naturel où ils vivent, ils n'ont pas grand désir des choses de Dieu, ils ne prient pas, ou trop peu, pour sortir de leur mentalité plus ou moins païenne. Une des raisons est que d'après la prédication des prêtres philosophes, ils n'ont qu'à éviter les péchés et tout le reste est bon pour le ciel. Alors, la plupart des gens gardent toute leur activité naturelle mentale bonne en soi, comme si elle était méritoire pour le ciel. Or, nous savons maintenant que toute cette activité naturelle, intentionnelle, ne vaut rien devant Dieu au point de vue du mérite éternel. Comment devenir saint avec cette activité naturelle? C'est impossible. Et voilà pourquoi tant de chrétiens ne sont pas saints. Saint Paul dit carrément que les enfants de Dieu doivent être conduits par l'Esprit de Dieu, donc pas par des motifs naturels. Mais comme ces gens vivent de motifs naturels, le Saint-Esprit ne peut pas les sanctifier dans le monde naturel où ils vivent. Tant que les prêtres enseigneront que le bon naturel est bon pour le ciel, les catholiques seront bien paresseux pour se sanctifier vraiment, comme les saints l'ont compris dans la vraie sainteté surnaturelle. Ils sont satisfaits de leur bonté naturelle et les prêtres les laissent bien tranquilles là. Ils y restent. Par conséquent, non seulement il faut prêcher contre les péchés, mais aussi, et je dirais surtout, contre toute cette activité naturelle libre des motifs, qui ne vaut pas plus que le sable pour soutenir notre maison spirituelle dans les tempêtes. Ni Jésus, ni la Sainte Vierge, ni les apôtres n'ont agi pour des motifs naturels. Donc, ceux qui veulent les suivre dans leur sainteté doivent les suivre dans leur motif absolument surnaturel. Puisqu'il faut mourir à soi pour vivre en Jésus, qu'on cesse d'agir pour des motifs naturels qui alimentent le païen en nous et nous empêchent de recevoir l'action du Saint-Esprit. Personne ne pourra donc arriver à la sainteté de Dieu sans renoncer à son moi païen ou à son activité naturelle intentionnel. C'était le premier obstacle à la sainteté, la nature humaine. Deuxième obstacle, les sophismes de l'intelligence. Ils sont très nombreux. Comme l'amour est toute aux choses de la terre par nature, c'est lui qui cherche des prétextes pour satisfaire cet amour, tout en paraissant travailler pour le ciel. On voudrait combiner les deux. Jouir de ce monde, et après, jouer de Dieu au ciel. Alors, toute la finesse humaine est employée à assurer les jouissances dans les deux mondes. Mais Jésus dit que c'est impossible. Mais les démons aidant nos prêtres philosophes font toutes sortes de sophismes pour essayer de jouir des deux. Ils font exactement comme Satan a fait pour tenter Jésus. Il citait des textes vrais, mais il les interprétait mal. Eh bien, nos prêtres en ont de ces textes qu'ils font servir à sauver leur vie plus ou moins païenne dans la mentalité et par suite dans le concret de la vie. S'il y a une vertu sur laquelle Jésus insiste dans sa vie et dans sa doctrine, c'est bien le détachement des plaisirs de la terre et l'esprit de pauvreté. Mais les prêtres opposent à la doctrine de Jésus leur doctrine abstraite des insee en soi, pour permettre à tout le monde de jouir tant qu'ils veulent des plaisirs qui sont bons en soi. C'est vrai ce qu'ils disent, mais ce n'est pas la doctrine de Jésus. Ils ne prêchent pas seulement contre l'usage des choses défendues, mais aussi contre l'amour des choses permises.
ce que la plupart des prêtres ne font pas. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit que nos bonnes œuvres seront récompensées selon les motifs. Les philosophes disent qu'elles sont récompensées selon leur bonté en soi, et peu importe les motifs, qu'ils soient naturels ou surnaturels. Il y a du vrai et il y a du faux. Encore un sophisme, donc. Mais c'est inutile d'allonger l'énumération, nous en avons signalé assez dans le cours de nos instructions. C'est par centaines et par centaines que les prêtres en donnent aux fidèles. Voilà ce qui explique en bonne partie l'insouciance des catholiques pour arriver à la sainteté. Ils trouvent même ridicule celui qui y tend sincèrement. Et ils ne manquent pas de se moquer de lui, et même de le persécuter pour le faire rentrer dans le rang du commun des mortels. Si l'on veut découvrir ces sophismes, qu'on essaye de pousser tant soit peu quelqu'un à la sainteté. Et tout de suite, il nous sert un de ces sophismes des prêtres philosophes inspirés par Satan, qui nous tente comme il a tenté Jésus au désert. C'est par orgueil que tu veux te signaler au service de Dieu. La vraie humilité ne veut pas se faire remarquer. Elle suit la voie commune. Oui, des païens. Fait comme tous les autres, est le refrain des prêtres philosophes et des païens qui les suivent. Tout le monde le fait, fallait donc. Or, comme pour être saint, il faut bien se préparer, se séparer, pardon, de la masse qui ne veut pas de la sainteté. C'est un principe de paresse spirituelle. Quand l'amour est aux choses du monde, l'esprit est habile pour trouver des raisons de légitimer son amour naturel. Or, comme la plupart des humains sont captivés par l'attraction des choses créées, ils ont une foule de sophismes pour justifier leur poursuite des choses créées. On les remarque parce qu'ils sont surtout tirés de la raison. Tandis qu'un chrétien doit prendre ses motifs uniquement dans la foi et dans les textes des Écritures bien compris, selon le sens de l'Église et des saints qu'elle a canonisé. Et troisième obstacle à la sainteté, les attractions de l'imagination. Ces attractions de l'imagination jouent un rôle très important dans la poursuite de nos amours, soit naturels, soit surnaturels. On sait que la volonté veut le bien de l'homme, selon qu'il lui est montré par les sens. D'avance, on jouit d'un plaisir sensible auquel on pense. On dit qu'on en rêve, ce qui veut dire qu'on se le représente souvent à l'esprit et que l'imagination agit sur les sens pour les exciter comme s'il leur était présent. Alors, on comprend que la volonté soit fortement entraînée à ce plaisir. N'est-ce pas la tactique des démons et des mondains de faire miroiter devant l'imagination des hommes par des tableaux, par des discours, des écrits, la radio, tout ce qui peut corrompre les mœurs sans penser aux choses impures. Tous ces méchants agissent habilement sur l'imagination et ils réussissent merveilleusement à perdre la foule des humains. Dès qu'un homme se remplit l'imagination des jouissances sensibles, il les veut, et adieu, bye-bye, la poursuite de la sainteté. Les biens célestes n'ont plus d'attrait pour lui. C'est le cas de la mère catholique, comme on peut le voir par leur conversation. Ce sont toutes des choses décentes. Le tort que fait l'imagination est qu'elle grandit beaucoup les jouissances sensibles, et alors les fait vouloir par la volonté. Défions-nous donc de cette faculté. Retirons-la des choses créées. Appliquons-le aux choses surnaturelles, comme nous l'avons expliqué dans la première série, au sujet des échantillons. Deuxième point, les moyens avancés en sainteté. Pour désirer la sainteté, s'appliquer sérieusement à l'acquérir, sont tout le contraire des obstacles que nous venons de signaler. Pour suivre la nature humaine dans sa première création, dans l'ordre naturel, il faut bien se mettre dans l'esprit la deuxième création par la grâce naturelle. Or là, nous sommes appelés, premièrement, à un idéal sublime, la sainteté même de Dieu.
Même sur le chemin des limbes, nous serions obligés d'éviter les péchés graves. Il est évident que nous devons faire cela aussi sur le chemin du ciel. Nous devons aussi avoir la bonté naturelle qui nous mènerait aux limbes. Mais quelle absurdité que de se contenter de la même bonté pour aller au ciel. Une bonté humaine ne peut nous conduire au ciel. Il nous faut une bonté surnaturelle. Strictement parlant, comme disent les philosophes, la grâce sanctifiante suffit pour entrer au ciel si on meurt vite après l'avoir reçue. Mais si on vit tant soit peu, en plus d'elle, il nous faut une mentalité surnaturelle pour plaire à Dieu et pour mériter. N'oublions pas que recevant la grâce sanctifiante ne donne aucun mérite, mais elle est simplement la condition essentielle pour commencer à mériter quand on agira librement et donc dans nos motifs pour plaire à Dieu. Est-ce qu'un enfant mérite de ses parents par le fait qu'il est conçu? Pas du tout. Mais avec sa nature humaine, il méritera devant eux quand il agira pour leur plaire. Il en est de même dans la vie surnaturelle. Si nous sommes enfants de Dieu par la grâce sanctifiante, comme dit Saint Jean, pour rester enfants de Dieu, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, dit Saint Paul. Donc les deux sont absolument nécessaires. Le mérite est seulement quand on ajoute la deuxième partie, les motifs surnaturels, implicites ou explicites, mais enfin surnaturels. Donc, essayez de se sanctifier en surveillant simplement la nature de nos actes, comme pour voir s'ils sont bons ou mauvais, et se contenter de vouloir éviter les péchés, ne vaut pas grand-chose. Il faut le faire, mais là n'est pas le vrai travail de la sainteté. Dieu n'a jamais dit « donne-moi des bonnes actions », mais « donne-moi ton cœur ou ton amour ». Fais tes bonnes actions par amour pour moi, pour me plaire. Or, cela se fait par les motifs surnaturels. Jésus dit que l'intention, c'est l'œil du cœur, comme l'œil du corps pour nous conduire. Tout dépend de l'intention. Une intention naturelle donne un mérite naturel. Une intention surnaturelle donne un mérite surnaturel. Et c'est ce dernier seul qui compte devant Dieu. Par conséquent, le champ le plus important à exploiter dans la spiritualité, c'est le champ des intentions ou des motifs, des pourquoi. Il faut faire la guerre à tout motif qui n'est pas absolument surnaturel ou à toute intention simplement naturelle. C'est là que nous devons surveiller notre divinisation, parce que là seul se trouve notre liberté. Et donc, une des causes importantes de mérite. Que chacun surveille constamment ses motifs pour qu'ils soient tous parfaitement surnaturels et uniquement surnaturels. Pas de mélange des deux comme tant de prêtres enseignent. Dieu ne veut pas de mariage mixte entre les motifs naturels et les motifs surnaturels. Cette question est si importante et si peu connue que je répète une explication déjà donnée. Le naturel et le surnaturel sont mélangés dans l'ordre physique ou substantiel. Par exemple, la grâce sanctifiante divinise tout mon être, mon corps et mon âme. Donc ici, les deux vont nécessairement ensemble et se mélangent physiquement. L'erreur de la plupart des prêtres est de vouloir faire le même mélange dans les intentions ou dans les motifs. Comme ici, c'est une question d'amour et que Dieu veut absolument tout notre amour. Le moindre amour donné à soi ou à une créature insulte Dieu. Or, on montre son amour par les motifs, puisqu'un motif, c'est un amour agissant sur ma volonté. Par conséquent, comme Dieu veut être aimé seul, il n'accepte que des motifs faits pour lui, et donc surnaturels. Alors, un motif naturel qui est pour un être étranger lui déplaît souverainement. C'est pourquoi il ne veut pas de mélange des deux sortes de motifs. En amour, c'est tout ou rien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. » Il pente les deux. Cela est vrai rien qu'en amour. Par conséquent, dans le monde des motifs, il y a une opposition irréductible entre un motif naturel et un motif surnaturel. L'un est pour le démon,
quelque bon qu'il soit naturellement, et l'autre est pour Dieu. Donc, dans ce monde d'émotifs se trouve la lutte entre Dieu et le diable pour notre âme. Là, c'est la guerre, nécessairement et constamment. Ceux, donc, qui veulent se sanctifier doivent travailler, surtout dans le monde des motifs, surveiller leurs motifs, leur pourquoi, et s'assurer que tous leurs motifs sont absolument surnaturels. Dieu ne paye que ce qui est fait pour des motifs surnaturels. C'est incomparablement mieux que de faire la lutte au péché. Car en se battant contre les péchés, quand même, on réussirait. Si on ne s'occupe pas de ses motifs surnaturels, on risque son salut. Car on peut éviter les péchés et rester naturel dans sa mentalité. Et alors, cette mentalité païenne va nous faire retomber dans le péché. Situons bien tout le travail principal sur les motifs, et l'on progressera rapidement et sûrement. Que le Saint-Esprit vous éclaire tous sur cette nécessité de toujours agir uniquement pour des motifs surnaturels. Être saint dans tous les détails de la vie. Ceux qui n'ont pas l'amour surnaturel de Dieu ont beaucoup de peine à comprendre pourquoi Dieu attache tant d'importance aux petites choses de la vie. Et si encore, c'est une question d'amour. Or, l'amour est très méticuleux parce qu'il prend tout le cœur et donc toute la vie. Il prend tout le bonheur. Or, la vie est faite de détails insignifiants. Et pour l'amour, tout prend des proportions énormes, comme on peut le voir entre amoureux. Comme il faut peu de choses pour plaire à l'autre, comme il faut peu de choses pour lui déplaire. L'amour est fait des riens qui remplissent la vie d'une personne. Voyons donc dans la vie de la Sainte Vierge qu'elle a vécu dans le plus grand amour de Dieu. Et pourtant, peut-on trouver une vie plus insignifiante aux yeux du monde? Comme l'amour veut tout le cœur, quand il l'a, il voit toujours et uniquement cet amour dans toutes les actions de celui ou celle qu'il aime. Par conséquent, les fidèles qui veulent se sanctifier ne doivent pas surveiller seulement leur assistance à la messe et leur communion, puis ensuite ne plus s'occuper de Dieu dans les détails de leur vie journalière. On doit mettre autant d'amour de Dieu dans son travail des champs ou de l'usine ou de la cuisine ou du ménage ou de n'importe quel autre ouvrage qui entre dans le cours ordinaire de la vie chrétienne. Une femme en pelant ses patates ou en faisant ses chambres peut avoir autant de mérite devant Dieu que dans ses exercices spirituels, pourvu qu'elle ait uniquement des motifs surnaturels pour ses travaux que Dieu lui demande de faire pour l'amour de lui dans la vocation qu'il lui a donnée. Si on vit deux fois, tout cela sera encore assez facile. Jésus veut que nous voyions Dieu dans toutes les personnes au monde, que chaque femme qui prépare des repas pour sa famille le fasse uniquement pour Jésus-Christ, comme lorsque Marthe préparait le souper pour Jésus en personne. Cette vie de foi va faciliter beaucoup les motifs surnaturels, puisque l'on verra Dieu partout. On voit comme tout s'enchaîne dans le monde surnaturel. C'est pourquoi il nous faut prendre toute la doctrine que Dieu nous présente au jour le jour de tant de façons, comme il le fait dans sa providence. Un sermon, une bonne lecture, une bonne conversation avec une personne surnaturelle, elle reste. Surtout, n'allons jamais rejeter une bonne occasion de s'instruire dans le monde spirituel. Autrement, on peut payer cher cette négligence d'un seul point. Combien vont rester aveugles dans les choses de Dieu parce qu'ils ont refusé d'entendre un sermon ou de faire une lecture, ou de converser avec une personne dévote. Quand on aime Dieu, on prend tout ce qu'on peut pour mieux le connaître et mieux l'aimer. Quel dommage que les catholiques, pratiquement dans tous les rangs de la société, même ecclésiastiques, soient si fermés, si peureux de progresser eux-mêmes et d'exhorter les autres à la sainteté, comme les prédicateurs de la sainteté sont rares aussi. Comme ils sont vite à court d'haleine sur ce sujet, ils ont toujours peur d'en demander trop aux fidèles.
peuvent qu'ils vivent bien dans le monde naturel, où on est vite satisfait de sa bonté. Les prêtres devraient montrer aux fidèles le rôle qu'ils ont dans l'Église, un peu comme les prêtres. Les apôtres poussaient bien loin les conclusions de notre foi. Par exemple, en voici une de Saint-Pierre, un de Saint-Pierre. Sa première épître, chapitre 2. Soyez vous-même édifiés sur lui, comme des pierres vivantes, pour composer une maison spirituelle, entre parenthèses, comme l'Église, et un sacerdoce saint, entre parenthèses, comme celui des prêtres, afin d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les grandeurs de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chacun donc, non seulement doit se sanctifier, mais sanctifier les autres, selon les grâces que Dieu lui donne. Tous doivent être les temples du Saint-Esprit, où on offre des sacrifices de l'humain, du naturel et de notre païen. On doit mépriser les créatures et donc les immoler à notre amour pour Dieu, comme aussi nous renoncer ou immoler notre moi païen pour que Jésus seul vienne vivre dans son temple que nous sommes. C'est par ces sacrifices que l'amour surnaturel de Dieu s'achète. Et leur mérite devant Dieu dépend de l'intensité de notre amour divin. Quelle source de sainteté est le catholique qui vit selon la foi? Il a la vie du Père éternel par la grâce sanctifiante. En suivant la foi, il suit la sagesse du Verbe. Et pour montrer qu'il préfère l'amour du Saint-Esprit à l'amour du Créateur, des créatures, il les sacrifie constamment sur l'autel de son cœur et en présence de la Sainte Trinité qui habite en lui. Il nage donc dans le divin comme dans le ciel, excepté qu'il ne le voit pas, mais il croit, ce qui honore Dieu grandement. C'est son amour de Dieu qui gouverne tout, qui oriente toute son activité exactement comme dans le ciel. Voilà un catholique qui est mûr pour la vie du ciel. Voilà la vie surnaturelle que les prêtres devaient commencer par vivre eux-mêmes, pour puis l'enseigner aux fidèles qui l'ignorent à peu près complètement, par la faute de l'ignorance et de l'insouciance des prêtres dans ce domaine. Saint-Pierre dit que nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple conquis, afin que nous annoncions les grandeurs de celui qui nous a appelés du paganisme au christianisme. Un catholique a donc la même vocation que l'Église, répandre la foi par le monde, faire connaître les merveilles du monde surnaturel. Comment peut-il le faire s'il ne commence pas par en vivre lui-même? Comme Jésus s'est immolé pour l'amour de nous, tout catholique doit s'immoler de son vivant pour l'amour de Jésus-Christ. Or, quelle vie doit-il sacrifier? C'est sa vie païenne, faite de ces deux amours naturels, l'amour de soi-même et l'amour des créatures. En les tuant autant qu'il le peut avec la grâce de Dieu, il meurt à lui-même pour ressusciter dans la vie surnaturelle de Jésus. Et comme tuer ces deux amours est extrêmement pénible dans la nature humaine, on peut dire qu'il est vraiment crucifié avec Jésus-Christ pour revivre la vie divine avec lui. Cette doctrine est justement celle de Saint Ignace, dans le règne, où il dit que pour faire régner Jésus dans le monde, il faut faire la guerre à notre amour propre et à l'amour mondain, nos deux amours naturels. C'est le seul moyen efficace de vivre sans péché et d'être comme Dieu veut son Église, pure et sans tache. Tout catholique doit donc accomplir la fonction principale de l'Église, donner Jésus-Christ au monde par tous les moyens à sa disposition. Voilà la base de l'action catholique que les derniers papes veulent pour tous les fidèles. Car après tout, l'Église n'est pas une personne. Elle est un corps moral composé de ses membres. Tout ce que Jésus veut de son Église, il le veut de ses membres qui la composent.
quand il la veut sainte et sans tache, ce sont ses membres qu'il veut saints et sans tache et absolument saints. On a donc vu que la sainteté est dans l'amour de Dieu. Eh bien, quand un catholique lit dans saint Paul que pour l'amour de Dieu et pour gagner Jésus-Christ, il s'est privé de toutes choses, les regardant comme du fumier. Et il trouve là un fameux moyen pour se sanctifier, qu'il regarde tous les plaisirs de la terre comme du fumier. Il en prendra donc le moins possible. On ne remplit pas ses conversations de fumier. Qu'on cesse donc de parler des amusements, des joies de la terre, pour converser de l'objet de notre amour, Dieu et les choses de Dieu. C'est le meilleur critère pour voir si on est sur le chemin du ciel, comme ils sont rares. Quand on se donne à la vie intérieure de sainteté, on est d'abord perdu. On ne sait pas comment occuper le temps qu'on donne à Dieu. Nos prières sont vite finies. Eh bien, voici un champ immense et inexploré, c'est d'essayer d'imiter Jésus dans sa vie intérieure et dans ses prières si longues qu'il faisait même la nuit tout entière. Il est certain qu'il demandait pardon à Dieu pour les péchés des hommes et se servait des paroles inspirées par le Saint-Esprit que l'on trouve dans les psaumes et dans les prophètes. Que d'arguments on trouve là adressés à Dieu pour qu'il use de miséricorde envers les hommes. Il fait valoir leur ignorance, leur faiblesse naturelle, le sort affreux des humains en enfer. Il fait appel à sa bonté infinie, à sa miséricorde, à sa puissance, à sa gloire sur terre et dans le ciel, s'il pardonne aux hommes. Ensuite, il lui offre des adorations, des actions de grâce, des actes d'humilité et d'amour que l'on trouve dans les psaumes. Dans nos visites au Saint-Sacrement, parcourons lentement les psaumes et nous trouverons des expressions qui expriment parfaitement notre état d'âme actuel. Habituons-nous donc à prier avec le Saint-Esprit, comme il le suggère dans les psaumes. Les laïcs devraient les exploiter constamment, les psaumes. Ce sont ces actes libres de nos deux facultés spirituelles que Dieu surveille en nous, incomparablement plus que notre grâce sanctifiante, qui n'a pas de mérite, mais simplement est la condition pour en avoir. Et en conclusion, les avantages pour soi, pour le prochain et pour Dieu, ils sont trop évidents pour qu'on les développe. Si on pratique les points précédents, ces avantages suivront automatiquement pour notre plus grand bonheur en ce monde et surtout en l'autre. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, que la Sainte Vierge nous obtienne sa mentalité divine et sa sainteté incomparable. Et ceci termine une autre belle conférence, la 26e, que tout catholique doit être saint.